Voilà une valse créole un peu particulière, avec des moons timalo se lâchent. Mais que se passe-t-il? Si Paris, la police en fourgon blindé, pas à voir bout à l'UGTG. La police en fourgon blindé n'arrive pas à bout de l'UGTG, le syndicat meneur de la longue grève de 2009. Qui va-t-on appeler, dit-il? L'artiste se définit comme un chanteur engagé, non dénué d'humour. Je me moque du gouvernement, et c'est sûr que c'est Yves Jégo qui était là à ce moment-là, donc c'est un peu lui qui prend. Mais c'est pas tant Yves Jégo en particulier que les gouvernements excessifs, quoi, qui nous font à la fois toujours prendre des vessies pour des lanternes, et finalement, on se retrouve toujours au même point, en fait. C'est mon point de vue. Yves Jégo aussi prend cela avec légèreté. L'ex-ministre de l'Outre-mer rend même hommage à l'auteur de Demoun. Oh, faut avoir de l'humour, d'abord, c'est très entraînant, c'est très bien fait, c'est drôle. L'humour est quelque chose d'important. Il faut faire les choses sérieusement, mais pas se prendre au sérieux. Moi, j'ai toujours essayé de faire les choses sérieusement, mais au fond, je ne me prends pas au sérieux. Tout en riant, les deux hommes font passer des messages en douceur, mais l'important, c'est de se faire comprendre. L'album Demoun est en vente en téléchargement légal sur le site timalo.com.